Allô. Ok. Bon les gens, ouais, on a un problème. Si je perds contre eux, je vais pas me sentir bien. Vous avez pas encore vu l'équipe adverse quand je vais faire tabulation. Alors, évitez de boire, évitez de manger, respirez un bon coup. Allez, c'est parti. Yumi, Lulu, Séraphine. Sion, Varus. Il, Shield. C'est quoi mon personnage? Nico. Champion comme je le joue à Burst. Anti-Burst. Anti-Burst AOE. Anti-Burst Tank, évidemment. Shield de tout le monde. Anti-AOE Burst. Et Varus, le seul que je peux tuer, qui va se faire shield par tout le monde. Yes. Par contre, Yumi top. Je vais tellement avoir le seum si je perds, putain. En fait, là... La façon dont on pourrait perdre, c'est si les gens n'achètent pas des l'objet fang machin, les trucs comme ça quoi. Là, faut du réduction de soins, parce que je vais acheter premier bac, si possible, 800 gold. Et ensuite, ensuite, faut acheter du healing reduction, le fang machin, le serpent de fang, je sais pas quoi. Donc, on va voir. Ok, je joue bonne plating en plus, histoire d'avoir vraiment aucune possibilité de la tuer. Fait plaisir. Nice. Premier électrocute. C'est cool parce qu'elle a perdu pas mal de points de vie sur mon level 3. Je stack le passif. Et là, je vais peut-être y aller. Allez, tu flash. Oh, dommage. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Il prend ça et barre-toi. Du coup, moi, je vais prendre ça. Dommage. Putain, je suis trop con. Oh, je prenais la stack solo, j'avais un anti-heal pour le prochain bac. Après, j'avoue que c'est pas Yumi, donc en vrai, c'est moins chiant. Non, mais ça va, en vrai, dans ma tête, c'était Yumi support. Mais attends, mais Yumi top. Non, mais vous vous rendez pas compte que si je perds contre une Yumi top, moi, j'étais en train de me foutre de la gueule d'un mec qui était bronze et qui jouait Yumi et qui me disait « Non, mais ça marche, je fais des games avec Yumi top. » J'étais en mode « Oui, c'est parce que tu es bronze. » Là, je tag du D1, D2, D3, en fait. Donc si je perds contre une Yumi top, je suis pas bien. Flash. Ok, je vais pouvoir acheter mon truc. J'ai pas hésité à prendre le kill. Je sais que je vais être important dans la game. Je vais prendre les bons objets, je sais. Je suis clair dans mon esprit. Après, j'avoue, je peux pas acheter le serpent de fang. J'avoue que c'est peut-être de la merde, ça. C'est bien. On met des petites patates. Bon, il bouge pas, hein, ça va. On est bientôt à 26 d'écart, là. Waouh, les dégâts qu'il a mis! Ils étaient 4, hein. Du coup, vous voyez le gameplay de Yumi. C'est tu joues top, et ensuite tu vas sur quelqu'un. C'est normal. En fait, c'est pour ça que je vous dis que j'aime pas jouer contre Yumi, parce que... parce qu'en fait, son gameplay réside à juste se mettre sur quelqu'un et roam avec lui. Et même si tu peux perdre la lane, tu peux quitter la lane et tu feras potentiellement un meilleur travail que le support. Il faudrait qu'on joue super agressif. Sinon, ça marchera pas, quoi. Et là, sans anti-heal, ça risque d'être super compliqué. Et ils ont pas d'anti-heal encore. Ah, il joue cleans. Ah, j'avais pas vu. Je peux pas jouer agressif du coup. Je me suis pris son ultime, c'est pour ça que je pouvais pas bouger en effet. Mais ok, ouais, il a pris le serpent fang, c'est cool, mais il faut autre chose les gars. La Yumi qui a quitté la lane, ça me détruit. Ce mec tag du D1. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc tout réside sur notre Jace, si oui ou non il sait bien jouer. Son farm est bon, il a plein de kills. Je vais aller roam, hein, parce que la botlane Lulu Varus, j'ai pas l'impression qu'on va avoir beaucoup de fun. Aïe, 1000 gold pour qui, le Sion? Je
crois qu'on a eu chaud là, non? Pourquoi il force sur Yomi sans anti-heal là? C'est pas bon ça. Hein. Je comprends pas pourquoi ils prennent pas d'anti-heal. Moi je veux juste finir ça, mais je vais prendre l'anti-heal tout de suite du coup s'ils le prennent pas. Pourquoi il a préféré prendre ça et pas d'anti-heal genre? C'est bien qu'on ait des objets pour contrer cette méta parce que ça aurait pas été drôle là je pense. Je pense que le Sion est peut-être là-dedans. Et la Gwen, si tu ne joues pas, ne viens pas. T'as rien de mourir. Tu one shot. Mais attends, mais la Gwen, pourquoi elle est aussi résistante là? Attends, mais pourquoi elle est aussi résistante? Le Sion a tout mis sur moi, il n'y avait plus rien. Pourtant, les cooldowns dessous, normalement, sont pas trop longs. Bizarre. Je suis une chips. Ok, j'ai ma thune. En fait, vu qu'ils prennent pas de healing réduction, bah, je vais finir mon objet direct, moi, je pense. Hein. Ça vient pas. Ça vient. Ça vient pas. Ça vient. Ça vient pas. J'ai utilisé l'électrocute, le bâtard. J'aurais dû reprendre ma transformation juste avant. Il a réussi à la tuer hein. Et il faut que j'aille voir les OPGG après hein. C'est quoi? Mais en fait non seulement je comprends pas trop le pic Yumi tu vois. En fait si je peux le comprendre, si les gens oublient d'acheter du réduction de soins. Genre mon équipe a mis quand même 20 minutes à acheter un objet de réduction de soins contre Yumi, Séraphine, Varus, il est tout genre. Il y en a quand même un qui a pensé au serpent de fang, merci. Mais je me demande si je l'avais pas précisé au début de la partie, est-ce qu'ils auraient acheté ces objets? Par contre leur équipe, moi j'étais à 90% sûr que ça allait dodge. Parce que justement il y a trop de shield en fait. Quelqu'un prend cet objet là, Serpent Pang, bah c'est fini quoi. Dommage. C'est ballot. Ah, je me doutais bien qu'ils allaient. Je me doutais bien qu'ils allaient warder. En fait, là encore une fois, me manque la putain de protobelt. Bon, il avait flash dans tous les cas, mais relou quand même. Relou de ouf. Ah, c'est trop dur de jouer sans la protobelt, mais je pouvais pas faire autrement. Le nombre de shield. Destroyed. Il joue pas street machin. Peut-être appuyer sur R monsieur. Ah il avait pas son ultime, c'était risqué ça. Non mais je lag un peu là ou c'est moi? Il est chiant le Sion putain. Il fait des dégâts hein. Turbo fight. Non mais vous vous rendez compte quand il y a un joueur dans notre équipe qui est en 100-0. C'était pas si évident que ça genre. C'est quoi cette merde? Bon c'était quoi leur problème? Pourquoi ils ont fait cette équipe? Pourquoi il a sorti Yumi top? C'était une blague, il a perdu un pari.